Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Parce que oui, aujourd'hui, on ne fait que des critiques de cinéma américain et il y en a marre. Alors, avec moi, ce sera que du cinéma français. Donc, tout d'abord, nous parlerons soit des films oubliés, soit des films super connus, soit des films oubliables. Et aujourd'hui, nous parlerons de Coco, qui est un film très oubliable. Aujourd'hui, nous allons parler de ce film qui a été joué et réalisé par cet homme et qui aurait pu disparaître s'il n'y avait pas joué dans ces films. Donc, Coco est un personnage venant de l'un des sketchs de Canepani, comme Chouchou, qui est un bien meilleur film. Et il s'est dit, un jour, Eliane, je viens d'avoir une super idée. Et si on prenait le personnage de Coco, et vu qu'il est hyper riche, il décidait de faire la plus grosse bar mitzvah du monde à son fils. Ce serait pas génial? Je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il a dû faire cette pub. Je rêve d'une banque qui soit... Ta gueule! Donc, le film commence par Simon Bette. Bisous. Bisous. Coco, qui reçoit la médaille d'honneur pour avoir créé l'eau qui frétille. On arrive à la fête de Coco, qui déclare à tout le monde qu'il va faire la plus grande bar mitzvah du monde pour son fils, sans lui demander son avis. Et pour vous qui ne savez pas ce qu'est la bar mitzvah, je vous mets la définition juste ici, vous avez juste à faire pause. Puis, mesdames et messieurs, nous voici au moment de la danse de la cérémonie. Et ensuite, nous voyons l'envol du goéland qui soudain... Nope. Après ce carambolage, nous voyons Coco qui va dire bonjour à son père décédé et bonjour à Glory. Et puis nous arrivons au lendemain. On a l'entreprise. La frise. La frise easy. C'est une boîte qui est au top niveau de sa forme. Puis nous voyons Coco qui arrive à sa top ascenseur. Et il arrive à la salle. Tout de suite. Donc, Coco a une attaque et il va ensuite voir le médecin et il découvre qu'il a un caillot au cœur et qu'il va bientôt crever. Vous avez une carte vitale ? Donc, il décide par le pur hasard de vouloir fêter la bar mitzvah 6 mois avant les 13 ans de son fils. Il va par la suite aller voir le grand rabbin pour lui demander conseil et... Pas le grand rabbin. Monsieur le grand rabbin. Pas s'énerver. Donc, il va voir le grand rabbin pour lui demander si c'était possible de faire la bar mitzvah 6 mois avant les 13 ans. Il dit non. Mais il s'en fout et il va le faire quand même. On voit enfin sa femme qui n'accepte pas la décision de son copain. Juste après l'intervention du cousin de Coco qui amène des nains. Ensuite, notre Coco... Ta gueule. Invite le préfet pour lui demander s'il serait pas possible, par tout hasard, que le jour de la bar mitzvah de son fils soit un jour férié. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment le plus drôle de ce film. Voici. Mais pas 7 mois pour tout refaire. 7 mois? Mais avec les seins ou que le visage? Après que le député soit parti, la mère Coco nous fait un éloge.
famille, de la fraternité, des amis. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre chaque personne que l'on rencontre. Et cette belle tirade est rentrée dans l'oreille de Coco et est sortie de l'autre. Par la suite, Coco décide d'aller à Monaco pour son problème de cœur, pour la bar mitzvah, pour son fils. Et nous avons enfin la démarche de notre concurrent, Zerbib. Hé, Zerbib, c'est pas un peu Zerbib comme nom? Allez, c'est drôle quand même, hein? Après avoir découvert que Coco avait fêté la bar mitzvah de son fils en même temps que le fils de Zerbib, il le nargue en lui disant qu'il sait ce qu'il sait que les autres ne savent pas et que nous savons qu'il a un problème de cœur. En revenant de chez lui, il aperçoit qu'il n'y a plus personne et donc il va voir son nègre et lui dit: Where is Brian? Brian is in the kitchen! Ils sont tous chez la mère du coq et ça se termine en deux temps, trois mouvements. Ils font la bar mitzvah et c'est fini. Yen? Je ne crois pas, parce que Samuel décide enfin d'ouvrir sa gueule pour vouloir faire de la patinoire avec son papa. Et ça se termine par cette phrase. Samuel, tu veux que papa y t'achète une patinoire? En conclusion, je ne conseille pas ce film. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. À part la mère Coco qui a un peu plus de développement sur son personnage. Parce qu'elle montre une femme qui vivait au temps de la classe moyenne. Et puis tout d'un coup, elle arrive au top, comme ça. Mais elle se sent seule. Il y a quelque chose en elle qui lui dit qu'elle n'est pas comme eux, qu'elle veut vivre au jour le jour. Mais malheureusement, ce n'est que 10 minutes du film et toute la durée du film est sur les problèmes de cœur de Coco et sur la bar mitzvah. Je pense que Gad voulait me montrer ce qu'est la bar mitzvah, mais malheureusement, il l'a mal exploité. Et pourtant, j'ai du respect pour lui. Il est arrivé de rien et est devenu une star. Mondialement connu. Come here to America, baby. You didn't know me, right? No idea. They have no idea. They didn't know who I was. Oh, yeah. Il aurait dû faire un film comme Chouchou, où on nous montre le personnage qui est rien, et petit à petit, il nous montre qui il est, tout en nous montrant sa complicité. Et pour ça, bah, désolé, mais ce film, je lui mets une bonne mention de 1 sur 10. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder Rabbi Jacob. Sur ce, à la prochaine. Je vous mentionne les films que vous oubliez de mentionner.